Bonjour, Elisabeth Medou Badin, la directrice générale d'Orange Cameroun, a révélé que la société voudrait investir 1500 milliards de francs CFA dans le pays au cours des 10 prochaines années. Dans une interview accordée au quotidien Cameroun Tribune, elle explique que l'argent servira au développement du réseau. Orange voudrait en effet passer au service de haut débit au Cameroun. C'est d'ailleurs pourquoi l'opérateur milite depuis l'année dernière pour accéder à la 3G dès 2015. Il cherche également depuis 2010 à investir dans le câble sous-marin de fibre optique Africa Coast to Europe qui relie l'Afrique à l'Europe. Mais la législation camerounaise l'en empêche encore. Ce genre d'infrastructure de large bande demeure pour l'instant exclusivement géré par l'État à travers l'opérateur historique des télécoms Camtel. Une fois qu'Orange pourra enfin y accéder, il n'est pas exclu que la société accélère la cadence dans le secteur national des télécoms en lançant la 4G. Au revoir et à la semaine prochaine.